Hello les girls, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va dans vos vies. I hope you're doing good. I hope you're doing good. Donc les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit challenge make-up. Je vais me maquiller en ordre alphabétique de A à Z. Il n'y a pas Z dans le make-up, mais bon, c'est pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je sais pas trop quoi penser de ce challenge, sachant que moi d'abord j'aime ma façon à moi de me maquiller, j'aime mon ordre à moi de me maquiller. Je commence toujours mon make-up par les sourcils. Je fais d'abord les sourcils, après je fais les yeux, si peut-être je vais mettre de la couleur sur les yeux, parce que je trouve qu'il faut d'abord travailler bien le regard avant de faire le teint. Je connais pas faire mon teint puis faire mes yeux, sauf si c'est du make-up nude, parce que le nude, voilà, c'est possible en fait. Donc commence d'abord par les sourcils. Ensuite, je mets les fards à paupières. Je mets mon fond de teint. Après le fond de teint, c'est le concealer. Après le concealer, c'est le contouring. Après le contouring, c'est le baking. Après le baking, c'est... qu'est-ce que c'est? Le blush. Après le blush, c'est le highlight. Et enfin, et après le fixateur. Et pour terminer, les cils. Moi, je mets toujours les cils à la fin, parce que je ne sais pas mettre les cils. C'est parce que c'est déconseillé. Je ne sais pas mettre les cils. Donc, je me bats à ce que ça ressemble à quelque chose. C'est pour ça que je mets les cils à la fin. Maintenant, là, il faudra aller en ordre alphabétique. Je ne sais pas si je dois dire concealer ou anti-cerne. Je pense que je dois prendre la signification en français. On va commencer par A, qui est anti-cerne. C'est bizarre. Très, très bizarre. Vraiment bizarre. Mais on va y aller. J'espère que... j'espère que ça va donner quelque chose, parce que l'histoire si que j'ai en train de commencer là. Ok, on va commencer par l'anti-cerne. Et avant que la vidéo ne commence, je vous présente cette bague ici, ce petit collier ici et ce bracelet ci qui sont en vente sur l'Instagram de Monagor. C'est normal que je fasse d'abord un petit placement de produits, de mes produits en fait, avant de commencer la vidéo. Honnêtement, je ne sais pas si ça va donner un bon rendu à la fin, mais on va essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, parce que because je vais sortir avec ce make-up. À la base, il y a d'abord les couleurs qui sont un peu trop claires là. Je vais mettre mon anti-cerne avant de mettre mon fond de teint. Ce qui me choque même dans ce challenge, c'est que j'ai commencé à me maquiller sans tracer mes sourcils. C'est quelque chose que je déteste faire. Me maquiller avant de tracer mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, c'est B, la base. Vu que j'ai commencé à appliquer le concealer, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Je mets B pour base, ensuite blush. B pour blush. B pour blush. Pourquoi je me suis rappelé que blush c'est B, c'est... Je suis dépassée. Je suis dépassée. Blush, ok. J'essaie d'en mettre un peu en excès, parce que vu que je vais encore mettre des produits dessus. Après B, maintenant c'est C. C pour contour. C pour contour. Ok. C pour contour. Ok. Faisons le contour. Ça veut dire que quand on va arriver sur le fond de teint, il va mettre le fond de teint sur tout ça, quoi. Hey. Oh, wow. E pour eyeliner. E pour eyeliner. Ok.
oh les gars, je viens de me rappeler que C pour contour, c'est également pour cils. Donc je vais corriger ça, je vais mettre les cils. Pardon, j'oublie. On était à E, E, F. F c'est quoi maintenant? Fard à paupières. Je vais faire quelque chose de très très soft. Quelque chose de... Je sais même pas comment on met les fards sur les cils. C'est moche. Ouais. Seigneur, je vois même pas ce que faire à cause des cils. On va laisser comme ça parce qu'on ne peut pas faire la magie au stade où nous sommes. On ne peut pas faire la magie. Donc, on vient de finir avec fard à paupières. Après, F, c'est quoi? C'est fond de teint. Oh my God. Non. Ça va servir à quoi? À quoi le fond de teint va servir ici? C'est terrible. Je trouve que je gère assez bien. Je sais pas, vous voyez pas où c'est juste moi qui vois. Pourquoi ce cils-ci monte trop? H, il n'y a pas. H, I, highlight. Je vais mettre mon highlight après avoir mis mon fond de teint. C'est normal ce que je fais. Il n'y a pas de souci. J'ai mis mon blush, j'ai mis mon fond de teint dessus. Maintenant, je vais mettre mon highlight dessus. Right. Come on. P pour poudre. Donc je dois mettre ma poudre. That's normal. C'est normal ce que je fais, y a pas de souci. S pour spray. Thank you, babe. Ça, je suis d'accord. Ah. Mon spray est même déjà en train de finir. Oh, putain. Je dois d'abord mettre le gloss. Désolée, ça m'embrouille aussi. Oh, je vais mettre le gloss maintenant. Parce que je sentais qu'il manquait un truc, genre, c'était le gloss. Spray et sourcils. S pour spray, S également pour sourcils. Je dois faire mes sourcils maintenant, à la fin du make-up. That's okay. Voilà. Voilà le résultat final. Voilà ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je suis dépassée. On en perd le verbe, en fait. On en perd le verbe. Mais j'ai quand même dead le challenge. On n'est pas me dit que mon make-up est là, ce n'est pas présentable. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que j'ai quand même dead ça. C'est vrai que c'est moche. Mais c'est quand même quelque chose. C'est présentable. C'est genre, je peux sortir. On se dit peut-être que c'est comme si la gosse, elle voulait se maquiller, mais elle ne maîtrise pas encore bien le contouring. Elle ne maîtrise pas encore bien les trucs. C'est un truc là. Vous voyez un peu genre. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que s'il y a un certain ordre pour se maquiller, c'est parce que c'est nécessaire. Genre, tu peux pas te maquiller en ordre alphabétique. C'est pas possible. Tu vas pouvoir bien travailler ton teint, tes yeux et tout ça. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'était galère. Quand tu sautes un truc, tu oublies littéralement. Tu peux même se retrouver à oublier certains trucs comme peut-être
les lettres parce que je suivais l'alphabet. Parfois, ton cerveau, tu oublies que c'est ça qui vient avant ça, quoi. Par contre, si tu, quand tu connais ta routine, comment tu mets tes produits, etc., ça va très vite. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer ce challenge-ci. Si vous avez aussi apprécié ce challenge-ci, dites-moi en commentaire. Si vous trouvez que j'ai d'aide ça, mentionnez ça en commentaire. Et si tu es arrivé à ce stade de la vidéo et que tu t'es pas abonné, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ok? Abonnez-vous, c'est vraiment très encourageant. Partagez la vidéo, suivez-moi sur mes différents réseaux, sur Facebook, Instagram, où je suis active tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours, je suis active. Donc, voilà. See you next time, guys. Take care of you.